Salut tout le monde, wow, coucou. On va pouvoir commencer le live. Du coup, on va faire du Redwood aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement, rien à dire d'autre. Donc bonjour aux gens qui sont déjà arrivés. Du coup, faut voir. Alors oui, il y avait quelques petits lags. C'est tout à fait normal en fait. C'est parce que j'avais enregistré une fois un truc. Tout simplement. Et du coup ça avait un peu de lag parce que j'ai pas une co extraordinaire. Du coup je suis obligé de mettre ça en 360p malheureusement. Donc la qualité, alors si je fais une rediffusion, la qualité, donc je m'excuse auprès des gens sur YouTube, la qualité est dégueulasse. Mais normalement pour un live ça doit être assez potable. Du coup donc salut les gars. Tu aimes les frites? Oui, bah qui n'aime pas les frites? C'est une question. Du coup ce que je vais faire direct, alors on va s'attaquer à la salle des carrefours qui sera peut-être l'objet du prochain épisode, peut-être, je ne sais rien. Du coup, là, on est dans ma base. Donc là, je pense que vous connaissez à peu près. Ok, comme moi. Ouais, bah, le problème, bah, j'ai une plutôt bonne co, mais la connexion, en fait, de téléchargement et d'upload est quand même différente. Bref, du coup, la salle des coffres se trouvera ici, sauf qu'il n'y a rien de miné. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller me faire des petites pioches. Parce que j'ai pas trop envie de bousiller ma Silk Touch, sachant que j'ai plus de diams. Donc on ira peut-être faire du minage aussi. On ira peut-être, pourquoi pas, voir s'il y a d'autres Redwoodiens. Là, je suis tout seul sur les serveurs, mais s'il y a d'autres gens qui arrivent, pourquoi pas aller avec eux. Hein, ça pourrait être plutôt sympathique. Du coup, il me faut... alors, j'étais allé chercher du bois que je vais aller vider dans un coffre au pif, genre un qui est assez vide. Voilà, celui-là, il est bien. On va prendre du birch et on va... se faire des petites pioches. Comme ça sera bien. Surtout sachant que Keeper était venu me passer un peu de fer. Un petit peu. Quelques blocs, on va dire. Tac et tac. Ça devrait nous faire quelques pioches. Voilà. Bon, je suis peut-être un peu trop prévoyant. Tac, on va quand même laisser ça dans le coffre. Sans nul doute. De quoi vous parlez, des frites? Tac. Je sais pas. Bon, du coup, on va pouvoir commencer à miner un petit peu. Il me faudra un beacon aussi, parce que là, vous allez vite voir que... Il y a l'emplacement du beacon, mais il n'y a pas de beacon, ouais! Bon, par contre, la salle des coffres, vous allez voir, on va vite se trouver face à un problème assez important, puisqu'on va vite tomber sur les coffres mal rangés. Oui, mais c'est pour ça que je vais faire une salle des coffres. c'est pas pour rien. Tac. Alors, le problème, c'est qu'on va vite tomber, vous allez voir, normalement, après 20 blocs de creusage... On devrait tomber sur d'autres trucs de construction. J'ai vérifié ce matin. Alors, sauf si j'ai mal calculé. Non, là, on entend de l'eau. Alors là, on est sous la piscine.
faudrait qu'on fasse des petits trucs aussi, genre ah oui, on pourrait faire un passage secret. Donc voilà. Donc là, c'est l'escalier qui permet de monter à la base. Et du coup, on a une petite entrée ici. Donc la salle des coffres est assez petite. Ouais, cool, je voulais faire un truc géant. Et je suis bloqué par mon propre truc. Du coup, je ne savais pas trop. Alors au début, j'avais dit ouais, je ferai ma salle des coffres en étage. Et ça ne fait que augmenter mon envie de faire ça par étage. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est que on pourrait faire des. Comme c'est par étage, on pourrait faire des ascenseurs. C'est-à-dire, je peux vous montrer grâce à la webcam, c'est pratique. Alors le problème, c'est que c'est inversé. Alors, par exemple, on est à l'étage là et on va aller à cet étage là. Et il y a un slime block qui fait boing et qui nous permet de monter. Ça pourrait être pas mal. Donc en gros, ça serait par. Si vous voulez, ça serait par étage en fait. Mais sauf qu'avec des slime blocks qui nous permettent de monter d'étage en étage ou même avec des escaliers lambda, ça pourrait être. Pas mal. Alors du coup je vais laisser ce trou là pour voir à peu près où c'est, et puis après elle va être assez longue je pense aussi. Alors pas de ce côté là parce que encore ah, si, parce qu'il faut qu'elle soit symétrique. Bon, du coup ce qu'on peut faire, c'est un carré à la limite. Attendez, ah oui, ok, je me demandais parce que j'ai entendu question, tu pourrais pranker Fuse? Alors pas en live, puis je vais attendre un petit peu pour les pranks, je vais attendre un petit peu. Alors je me suis fait prank par Keeper, si vous l'aviez pas vu. Attendez, enfin, je vais vous le remontrer parce que franchement, j'adore cette prank. Salut Yuma! Je pense que ça se dit comme ça. Ouais, donc, une petite prank sympathique. C'est n'importe quoi. Alors, je vais changer juste le sourire parce qu'il est un peu trop rose. Enfin, sur mon screen, vous voyez, c'est pas si rose que ça. Mais voilà, du coup, je vais pas me venger auprès de Keeper parce que. Bon, il est gentil, Keeper. C'est un prank sympathique. Mais enfin, si, je lui ferai une prank un jour, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, j'ai une petite idée. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est. Non, pour Fuse, je vais peut-être attendre un petit peu parce qu'il a eu deux pranks d'affilée, le pauvre. Il vient pas souvent sur Redwood, donc bon, si à chaque fois qu'il se connecte, c'est pour nettoyer sa base. C'est pas génial, on va dire. Enfin, c'est pas super cool pour lui, quoi. Tac, donc on va creuser ça comme ça. En fait, ça va vite me faire chier un peu les pioches en diams. Les pioches en fer. On pourrait aussi aller, pourquoi pas, dans le Nether pour aller chercher un peu de Wither. J'aimerais bien faire un Wither dans pas longtemps. Du coup, faudrait aller voir ça. Vraiment, ça va être long. La pioche, tu vas virer. On va utiliser la fortune. Tac. Alors, le problème, c'est que j'ai des lags serveurs, forcément, à faire, faire un live en même temps. La connexion, bon, elle aime. Enfin, ça les dérange pas trop, mais forcément ça ralentit un peu la vitesse. Tac. Du coup, je ne sais pas vraiment quelle hauteur on va faire. On va essayer de faire un étage déjà, ce serait pas mal. Enfin, un étage, quand je parle d'un étage, c'est avec le pattern et tout. Donc c'est. Voilà. Alors, le truc, c'est que cet étage là serait sûrement le plus haut. Parce que après, on va tomber sur la piscine. Je pense. Attendez. Je me demande combien il y a. Bah voilà, ça c'est la piscine. Que je viens de désactiver une lumière. Mais c'est la piscine. Du coup, on va pas aller plus haut que ça. Du coup, là normalement. Attendez, je vais juste replacer la torche. Normalement, ici c'est le sol de la piscine. Je pense. Attendez, on va essayer. On va casser pour voir. What? Ah non, on est là, oui. La piscine elle est plus par là-bas. Non, ici en fait on est. Ouais, on est dans le couloir, ok. Bon, c'est pas trop grave. Bon, du coup, on va remettre une torche, c'est assez important. Du coup, je ne sais pas trop quelle hauteur on va faire. On va tester un petit peu tout ça. Je vais peut-être aller sur le Mumble pour voir s'il y a des gens qui veulent venir. Pour Live V, j'utilise OBS. C'est ça, oui, c'est OBS. Qui est très utile, qui permet d'avoir des petits trucs. Ah, d'ailleurs, j'ai pas lancé la musique. Quel pauvre fou. Et d'ailleurs, vous avez pas le son de Minecraft, voilà. Ça devrait être bon. Attendez, bon, du coup, attendez. Oh, là. Calmos, Mumble. Je vais utiliser Mumble après. On va déjà lancer la musique. Ah, annulé. On va lancer la musique. C'est bon. Alors, je vais la baisser. Alors, vous me dites si la musique est assez forte. Alors, par contre, il va pas m'afficher le truc. Il va être chiant. Je veux que tu m'affiches le nom de la musique. Bref, on va changer ça rapidos. Ah mais je sais pourquoi ça marche pas. Voilà, bon, c'est les aléas du direct. Alors je vais essayer de faire plus de live plus souvent. Parce que moi j'aime bien faire des lives. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est une raison assez valide. Voilà. Ça
sera bien. Donc normalement, ça doit afficher. Ça doit afficher. Waouh. Tu peux faire ta salle des coffres étroite mais très profonde. Alors, un poil plus fort la musique. Attendez une seconde parce que je suis en train de configurer ça. Alors, du coup, je vais parler du beacon. Alors, le beacon en fait. Je vais juste montrer. Le beacon va être là en fait. Parce que sinon, tu vois, il va traverser la base un peu bizarrement. Du coup, le beacon. Ouais, je pense que là, c'est assez bien. Du coup, ouais, pour le beacon, le problème c'est qu'on va devoir. Attendez, parce que j'essaie de gérer des problèmes en même temps, c'est une catastrophe. C'est censé être actualisé. Ah non, je crois qu'il faut que j'éteigne la musique et que je la remette. Ah voilà, c'est bon. Tac, du coup, vous avez le nom de la musique. Attendez, qui est. Là, voilà, vous avez le nom de la musique si ça vous intéresse. Du coup, oui, ce que je voulais dire, c'était que le beacon en fait va traverser la base. Je vais vous montrer ça un petit peu. Puisque c'est plus pratique. Pour permettre en fait de. Pour tout, parce que la base est un peu le centre. Enfin, la maison, je veux dire. Tac. Donc, si on prend la maison là, voilà. En fait, le beacon passera à l'intérieur ici. Alors, ça peut paraître bizarre. Alors, en fait, il passera ici, vous voyez. Des carpettes, mais il y a ça. Et du coup, en fait, il passera dans tout l'étage. Donc, ici aussi. D'ailleurs, faudrait que je mette des carpettes. Jusque dans ma chambre, en fait. Mais parce que sinon. Le problème qui va se poser, c'est que ça va arriver sur la terrasse. Allez, sur la terrasse, c'est. Ça va être dégueulasse au niveau du sol, je veux dire. Et du coup, ça serait. Non, ça serait même dans la piscine, je crois. Bon, bref, ce serait un peu bizarre. Du coup, je préfère faire ça dans la maison. Bon. Après, on verra ce que ça donne. Si ça rend mal. Avec tous les programmes ouverts en même temps, la galère. Ouais, c'est assez. C'est plutôt une catastrophe. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer un truc. Ça lag pas trop chez vous parce que. Parce que je regarde en même temps mon live. Est-ce que ça lag? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, du coup je sais pas si ça marche ou pas. Tac. Donc on va continuer de creuser doucement mais sûrement. Tac. Pourquoi j'ai fait un trou là? C'est n'importe quoi. Aucun sens. Ah oui, je voulais lancer Mumble. Je le lancerai juste après. Faire une. Quand même construire un petit peu. Donc ouais, le direct c'est ça. C'est. On teste des trucs. Alors je sais pas si vous l'avez vu mais la présentation a légèrement changé. Alors pour ceux qui étaient pour ceux qui avaient déjà vu des lives de moi. Tac, pourquoi il y a une torche en redstone là? C'est dégueulasse. Non je sais pas pourquoi en fait mais du coup on trouvera un autre moyen de la cacher ce truc. Si t'es gros freeze. Très gros freeze. C'est des très gros freeze, c'est pas bon. Faut me dire. Non parce que je peux les régler. Enfin, je sais pas. Attendez, j'aimerais bien afficher le truc. Pourtant, on devrait pas avoir de freeze. Enfin, là, le truc m'annonce qu'il n'y a pas de freeze normalement. Je suis dans le vert. Quand la couleur est verte, ça veut dire que c'est bon normalement. Je vois pas pourquoi ce serait pas bon. Bon, du coup, il y a bien 20 blocs ici. Pof, pof, pof. On est où là? Alors, 40. Non, pas 44, c'en est à 79. Et ici, on est à 61. Ok. Donc, on est à 18. Donc, on va faire ça. C'est potable, ma foi. Malheureusement, ouais, ma connexion a un peu du mal. Alors, 18, donc... C'est... Pair. Du coup, on va réduire de là-bas. On va réduire d'un. J'ai pas de stone. Caca. Alors, attendez, je vais reprendre un peu de stone, juste pour ça. Tac, pour boucher ce truc là. Ou alors on fait une sorte de micro couloir, vous voyez ici, qui permet de cacher ce truc dégueulasse. Et voilà, c'est bon, on l'a dans la poche le truc. Par contre il vient de mettre la même musique ou je rêve? Voilà, je change donc un peu de musique. Alors, du coup on va pouvoir. Alors fortune, voilà, très bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Non, du coup là c'est le couloir. Bien joué moi. Tac, donc on va faire combien? Du coup là j'en ai 15, 17. Je m'imagine la famille derrière qui gueule pas, qui repute quoi. Non la couette tient franchement mais
Et puis la famille n'a pas vraiment besoin d'ACO, enfin, un peu plus que ça. Du coup, 17. Ça devrait faire 7 à chaque fois. Je réfléchis. Qu'est-ce que je raconte 7 à chaque fois? 8 à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Good. On va poser une torche quand même. Donc voilà, à peu près la taille en longueur. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, là on a la taille en longueur, vraiment. Du coup, on va faire ça comme ça. Et puis voilà. On va voir déjà ce que ça donne au niveau largeur et grandeur et hauteur et tout ce qui s'ensuit. Sachant qu'après, il faudrait voir pour la déco aussi. Déjà, ça. Je pense que ça fait une assez bonne taille pour des coffres. Sachant que ben, si c'est sur plusieurs étages, ça devrait faire, franchement. Du coup, ouais, j'imagine bien, on arrive ici, vous voyez. Là, il y a une sorte de barrière, enfin une barrière qu'on peut sauter par-dessus. Et là, on voit plein d'étages qui descendent. Ça pourrait être vraiment sympa. Je pense que ça peut être cool. Donc après, faut voir après comment ça donne. J'ai vraiment plus grande en hauteur. Là, il va faire 5 de haut, ouais, mais enfin, à cette hauteur-là, il serait comme ça. Mais ensuite elle sera plus haute. Enfin, en fait, elle sera plus basse en fait. C'est-à-dire, bah, ça va faire un trou en fait. Du coup, quand on sera tout en bas, effectivement, elle sera haute. Mais quand on sera en haut, ça sera assez grand. Enfin, ça sera plus petit forcément. Mais je pense que ça gênera pas trop au niveau de la hauteur. On verra. Alors pour l'instant, on fait ça, mais après, on verra peut-être à passer sur autre chose. Hein. Pourquoi pas aller au spawn après ou ce genre de choses. Que les connexions me fait des petits fakes. Voilà. Tac. Je vérifie toujours un peu à peu près si ça passe, mais ça reste vert pour l'instant. Le petit bouton est vert. Donc on va dire que c'est une bonne nouvelle. Tac. Boum. Du coup, on va peut-être aller voir sur Mumble s'il y a des gens qui veulent venir. Je sais pas non plus s'il y a peut-être des gens de la PBO Team même qui veulent juste passer. Tac. Après, on va peut-être pas faire non plus que du Redwood pendant toute l'après-midi. On verra, on verra. Mais il faudrait que je fasse des lives plus souvent, effectivement, ce serait plutôt sympathique. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens de Redwood à cette heure-là. Bon, on verra. Du coup, tac, on va finir ça, ce serait pas mal. Du coup, lançons un débat. Que pensez-vous de la 1.9? Why not? Je suppose que tu aimes bien Aurélien Sama. Oui, j'ai déjà dit dans la vidéo. Mais pourquoi tu supputes comme ça? Qu'est-ce qui te fait supputer ça? Parce que... oui, je l'avais déjà dit, c'est mon youtubeur Minecraft préféré, certainement. De par le montage de ses vidéos, le commentaire... Enfin, j'aime... à peu près tout chez lui et la façon dont il construit, donc oui, forcément. Mais même au niveau de... il y en a qui ont remarqué, effectivement, cette salle a beaucoup d'inspiration de ça, hein, effectivement. Mais ah oui, ça va être plutôt grand quand même. Enfin, j'avais peur que ce soit plus petit que ça, du coup, vu qu'on est dans une montagne, du coup, j'avais un peu peur, mais non, ça a l'air plutôt bien. Ouais, du coup, à ton style, ouais, bah oui, voilà. Donc, je me suis pas mal inspiré de lui, forcément. Quand on aime quelqu'un, j'essaie de m'échapper un petit peu, de pas faire trop la même chose, quand même. D'ailleurs, là, ça fait 4 de hauteur. Ouais, bon, c'est pas trop grave. Parfois, faut casser un peu ça. Tac. Ah, après, je pense à ça, on pourrait aller faire de l'urbanisme sur Happy Bow City, ça pourrait être marrant. Une note. Mais j'aimerais bien un peu avancer quand même sur cet épisode. Alors, par contre, je sais pas s'il y aura un épisode dimanche, enfin, ou cette semaine en tout cas, de Redwood. Je pense que ça va s'avérer très très tendu. Je préfère ne pas qu'il n'y en ait pas, plutôt qu'il y ait un épisode bâclé, vous voyez. Parce que là, le fait pas avoir le temps de monter l'épisode, ça c'est sûr. Donc l'épisode aura un petit montage. Et là, vu comment c'est bien parti la semaine, je vais pas du tout avoir le temps de faire quoi que ce soit. Donc je préfère ne rien faire. Enfin, si je vais préparer l'épisode pour la semaine d'après, je préfère laisser un trou. Ce sera mieux que de faire un épisode bâclé en fait.
Et je verrai à me rattraper peut-être avec des nouvelles séries, parce qu'il faut que je fasse de nouvelles séries également. Ma chaîne n'est pas très active en ce moment. Enfin, je fais qu'une vidéo par semaine. Personnellement, je trouve pas ça très très actif. Est-ce que j'ai une console? La Wii. Et la Wii U, parce que mon frère l'a acheté, que parfois il l'amène à la maison. Mais non, j'ai pas vraiment de. Enfin, j'ai pas de PS4 ou de PS3 ni rien. J'ai mon PC. Je suis très très PC. Il commence vite à faire chaud. J'espère que l'ordinateur va pas surchauffer, parce qu'il surchauffe parfois. Les cartes graphiques n'arrivent pas à suivre et faire. Nope. Et elle meurt. Bon, voilà. Déjà, on a une petite idée de ce que ça donne. Alors, une seconde, j'enlève mon gilet. Ouh! Bah, voilà, du coup, on a une petite idée de ce que ça donne. Effectivement, la hauteur est pas énorme. On peut peut-être l'agrandir de 1. Facile. Ça casse rien. C'est quoi la musique là? Canon. Ah oui. Du coup, on va faire ça. La Wii, c'est quoi? Bah, la Wii. La Wii, comme ça. Oups, sans le dollar derrière, mais la 1.9 apportera certes des modifications majeures. Oula, alors il nous a fait un texte, Arcons. Autant bien mauvaise que pour. Attends, je vais lire parce que sinon j'arrive pas. Apportera certes des modifications majeures, mais sera tout autant bien et mauvaise pour certains. Perso, je trouve qu'elle va apporter des choses qui vont révolutionner Minecraft. 6 degrés dehors. Ouais, mais. Fait pas super beau non plus, mais dans ma chambre il fait chaud. Ouais, bah oui, la 1.9 apporte des trucs bien et des trucs moins bien, forcément, mais ça c'était toujours comme ça pour les snapshots. Mais franchement, moi je suis content. Franchement, j'ai vu pire en hein, snapshot. La pire snapshot, je crois, que j'ai jamais vue, c'est la 1.6. Alors, ça dépend. Elle a apporté la 1.6, si vous vous rappelez bien, c'était la Horse Update. Alors, déjà. Le plus gros point de la 1.8, de la 1.6, c'était qu'il y avait des chevaux. Ouais, c'est génial. Du coup, c'est un gros gros point. Alors cette torche me fait de plus en plus chier, je dois vous l'avouer. Ah, viens par là. Du coup, tac. Ouais, la 1.6, c'était vraiment nul. Alors, par contre, si elle avait apporté un truc assez bien. Même plus que bien, qui est une autre que la Hardened Clay, qui est quand même un point assez important de la construction maintenant. Sinon, il n'y avait pas grand chose. Et c'est vrai que les gens se sont plaints que la 1.9 mettait du temps à sortir. Mais vu ce qu'il nous apporte, franchement, je dis pas non. Surtout, moi, ce qui me plaît. Alors, salut Aïssier. Alors, sa chimie, j'ai vu, ouais, t'aimes pas le PVP, mais franchement, je trouve ça cool. Parce que depuis le temps, ouais, je pense qu'il y avait besoin d'une petite refonte. C'est plutôt pas mal. Donc bon, moi je suis plutôt content, franchement. Et effectivement, le point sur lequel je suis le plus content, c'est l'end. L'end servait à que dalle. Et ils l'ont amélioré, mais c'est génial. Alors qu'est-ce que je. La 1.7 et les biomes. Ouais, ça c'était une bonne snapshot. Qu'est-ce que je fais? Alors là, je prépare la salle des coffres. La salle des coffres, tout simplement. Donc là, je suis dans ma base. Si tu suis Redwood. Donc là c'est là où il y a le portail tout simplement. Et du coup là je vais faire une sympathique salle des coffres. Donc il me reste à creuser par là. Et ensuite on aura fini le premier étage, ça sera pas mal. Tu as quel âge en fait? 16 ans dans 3 jours. 2. Dans 2 jours. Donc c'est bientôt. je dis quelle est ma date de naissance, mais le jour de ma date de naissance je dirais pas c'est mon anniversaire bonne année. Mais voilà, en gros, c'est le 13 novembre. Je porte malheur, mon dieu. Et là, ça tombe un vendredi cette année. Je vais peut-être aller jouer au loto. On sait jamais. Peut-être. Non, je pense pas que j'allais jouer au loto quand même. Parce que ce serait un peu faisandé. Mais j'ai trouvé ça plutôt drôle. Donc, je fais quoi? Donc, j'ai répondu. Très bien. Oh, que oui, je suis Redwood. Ah, Redwood. Quand même. Franchement, j'avais un peu peur au début de cette saison de Redwood. Parce que si vous savez pas, on a recommencé cette saison de Redwood parce que pour un point très important qui n'est autre que. Le bouton vert est devenu rouge. C'est pas bon. Bon anniversaire. Non, 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 faut pas souhaiter l'anniversaire en avance. Ça porte malheur. Enfin, je sais pas, mais on va dire que ça porte malheur. Du coup, ouais, Redwood au début de cette saison, j'avais un peu peur parce que. On a recommencé cette saison parce que les anciens de Redwood en fait n'avaient pas de.
on avait plus envie de jouer sur l'ancien serveur parce qu'ils n'avaient pas d'idée de quoi faire en fait. Et en refaisant cette saison, j'avais peur justement que ce soit moi qui soit concerné par ça et que je ne sache plus quoi faire. Et je sais pas si. Enfin, si vous allez voir les premiers épisodes de cette saison, franchement, je fais pas grand chose. Et maintenant, je fais des baraques et tout, enfin, je fais des villas. Des salles, des coffres géantes, enfin, c'est, là j'ai trouvé mon projet, mais c'est sûr qu'au début quand tu sais pas quel projet faire, c'est un peu chiant. Mais là je suis bien parti sur Redwood, donc je suis plutôt content, je m'amuse bien. Du coup il y a des trucs, si le PVP c'est bien, mais le temps de rechargement des armes sont longs. Alors personnellement oui, je suis un peu du même avis, par contre je trouve que les temps de chargement sont assez longs. Mais ça permet d'avoir des tactiques. Bah après ça, c'est sûr que ça s'apprend, bah, va falloir bien s'habituer, et ça risque d'être un peu long. Là pour être oui et voilà, on touche au point bien, c'est que c'est une option, donc en fait enfin de base c'est activé, mais on peut le désactiver très simplement. Alors avec des plugins, et je crois même avec le Minecraft de base, je crois que ça peut être supprimé, hein. Il y a juste à aller dans le code et dire je veux pas de ça, enfin dans le code du serveur, et je pense que ça enlève assez, très très facilement, donc il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Salut It's Me. Peut-être anglais. Parce que tu dis hi, je sais pas. J'ai beaucoup de lag. C'est moi ou toi? C'est peut-être moi. Je vois ça aussi. Ça fait combien de temps qu'on. Ça fait 30 minutes. Ce ne sont pas nos capacités qui nous font avancer dans nos choix. Albus Dumbledore. T'as pas le droit. Ça s'écrit même pas comme ça, Dumbledore. T'as fait une faute. Tu n'as pas le droit de faire une faute à ce nom. Mais oui, attends, c'est quoi le rapport avec ce qu'on disait avant? Ce ne sont pas nos capacités. Pourquoi tu dis ça en fait? Recherche! Tac. Pouf pouf. Bon, on aura presque fini ça. Et je pense que quand j'ai fini ça, je vais essayer de voir comment régler un peu les problèmes de lag. Attendez, bah j'ai Utorrent de lancer déjà. Ouf, je suis en train d'envoyer plein de trucs sur Utorrent. Oui, je triche. Tac, déjà on va couper ça, on aurait moins lagué. Ça va. Oula. Ça va pousser les personnes à courir ou à jouer à l'arc. C'est pas si mal. Franchement, j'aime bien la technique de l'arc. Alors, non, j'aime bien quand on est l'archer. Sinon, c'est bien nul, oui, effectivement. Mais sinon, l'arc, je trouve que c'est une très bonne arme, très tactique. Alors après moi j'aime bien la tactique dans les jeux, donc bon, peut-être aussi phénomène comme ça. Courir égale s'enfuir. Alors mais par contre les gens qui s'enfuient effectivement là c'est nul. Mais ça dépend comment ça se fait. Mais avec le Redwood qui te décourageait. Ah oui, Dumbledore c'était pour Redwood. Ça me décourageait au début. Maintenant ça me décourage plus. Franchement j'allume Redwood et. Bon parfois je sais pas quoi faire parce que forcément bah, y a des trucs parfois oui, enfin voilà on sait pas trop quoi faire. Mais là j'ai quelques petites idées d'usines à faire au spawn. Alors déjà dans le prochain épisode faut que je finisse l'ascenseur à slime. Depuis le temps. Non c'est quand même il y a moins longtemps que la villa romaine que j'ai fini dans le dernier épisode. Ce que j'avais fait il y a 11 épisodes. Bonjour le retard quoi. Tac. Je crois que c'est la moins là. Mais du coup, tac. Du coup, ouais, j'ai encore quelques petits projets sur Redwood. Enfin, même beaucoup. Vu que là, j'aimerais. Alors, sur cette base là que je suis en train de faire, j'aimerais faire une ville contemporaine. Alors, pas moderne, contemporaine, c'est un peu différent. C'est-à-dire que. Bah, c'est plus. Enfin, moderne, c'est vraiment. Enfin, pour moi, le moderne, c'est ce qu'on voit, enfin, les grosses villas modernes, un peu comme celle qu'a Notch, quoi. Enfin ce genre de choses quoi. Et alors que le contemporain c'est plus ce qu'on voit pardon dans la vie de tous les jours. Peut-être plus ce qu'on voit à la fin des années du 20e siècle peut-être ouais, ce genre de truc. Tu regardes tes MP YouTube? Oui. Enfin pas tout le temps mais parfois. Enfin si je la regarde mais je suis pas très assidu quoi. Enfin parce que je reçois genre un mail. De toute façon ouais je reçois un mail quand quelqu'un m'envoie ça donc normalement je suis au courant. Tac, du coup ça c'est pas mal. Donc la salle des coffres ferait cette taille là. Peut-être trop petit.
Peut-être agrandir les côtés, je pense. Pourquoi j'avais fait trop d'allumer? C'est dégueulasse, vous auriez dû me dire. C'est moche, ça va rendre dégueulasse sur l'écran. Parce que moi je l'oublie au bout d'un moment. Enfin, vous l'avez sans doute oublié vu que ça vous a pas choqué. D'ailleurs, je me demande, il n'y a pas l'adresse du serveur là-dessus? Non. Vous avez ma carte graphique, mais. Très utile! Non, vous avez pas le. De toute façon, même si vous aviez l'IP du serveur, vous ne pourriez pas vous connecter. Ne cherchez pas. Est-ce que je peux agrandir de 5 sur les côtés? Du coup, ça serait une salle rectangle. Bon, on s'en fout. Sache que je trouve ta Domus romaine vachement stylée, mais la symétrie me pique les yeux. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la symétrie. Et. Désolé, mais. Moi, j'adore ça. Donc. Franchement, j'adore casser les règles comme ça. Mais d'ailleurs, elle est pas symétrique cette base moderne. Je me disais, j'entends un zombie, mais c'est normal, je suis juste à côté du sol normalement. Du coup, ouais, moi j'adore vraiment la symétrie. Mais du coup, voilà. Moi, j'utilise assez souvent. Enfin, ça va encore. En moderne, j'utilise. En médiéval, j'utilise moins. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est un peu romain et tout ça, c'est des choses assez répétitives finalement. Il est vrai que j'utilise moins. La musique est pas trop forte par hasard. Je me demandais. Parce que là, par exemple, si tu enlèves les bugs au sol, tu aurais moins de lag. Certainement, oui. Mais j'ai l'inventaire plein de pioches. C'est très utile. Tiens, on va se vider. De pioches que je n'utilise même pas, vu que je me suis dit que. Bon, tac, c'est bien. Allez, petit bloc. Diminuer le lag. Wouh! Tac. Perfecto mundo. Alors, par contre, non, mon inventaire est pas plein, très bien. Effectivement, c'est une bonne idée pour réduire le lag. Je sais pas si ça fait. Ça lag pas vraiment en fait, enfin, ça crée pas de lag au niveau du serveur, ça lagrait plus des lags au niveau des FPS. Bon, là, les FPS sont plutôt bons, je suis à 30 FPS donc. Enfin, je sais pas, oui, peut-être sûrement. Peut-être un peu plus. Ah non, je suis à 50 FPS, tiens. Je pensais pas. Parce qu'il faut savoir que quand j'enregistre par exemple, je suis aux alentours de 30 FPS. Et là, je suis à 60 FPS, enfin, près de 60 FPS avec le live de lancer. C'est plutôt pas mal. Mais vraiment, pour les lives, ce qui me dérange, c'est la co. Mais bon, je suis obligé de la subir, hein. Je suis encore chez mes parents, je peux pas vraiment m'en aller. Du coup, j'ai. Oui, non, j'ai rien dit. Du coup, ouais. Quand j'aurai une meilleure co, franchement, ce sera le paradis, je ferai plus de live. Et plus souvent. Mais bon, va falloir encore attendre un petit peu, forcément. Tu es au courant que les particules ne seront plus des entités en 1.9? Non, j'étais pas au courant de ça. Mais les particules n'étaient pas des entités. C'est sûr que ce soit les particules. Parce que les particules. Enfin, ça dépend de ce que tu entends par particule. Parce que pour moi, une particule, c'est. C'est par exemple quand je casse ce bloc et il y a une particule. Je pense que tu parles d'items qui sont au sol. Ce que je veux dire, je veux dire les particules par exemple de potions, c'est pas considéré comme une entité, hein. Je crois que ça l'a jamais été. Ou alors je ne m'y connais pas du tout. C'est ce qui est totalement possible. Mais je crois que tu parles particules de TNT feu. Je crois pas que ce soit des entités, hein. C'est à vérifier, franchement je sais pas, mais je crois pas, mais c'est possible, c'est possible. Alors là vous voyez on arrive à la limite, parce que là la Terre ça veut dire que, d'ailleurs je sais pas si elle va passer, là on va arriver dangereusement, vous voyez ce bloc là, à mon avis ça veut dire qu'il y a de la lumière derrière. Surtout là, what? Attendez, non, ouais non, ok. Tristesse absolue. Du coup, on va pas aller si loin. On va devoir reculer un petit peu. Alors, on va vite reboucher ça avant qu'il y ait des creepers et tout qui arrivent. Parce que c'est pareil, c'est pas éclairé. Du coup, on va reculer de deux. Les particules qui ne dépendent de rien. C'est possible, je te dis. Je n'en savais rien jusqu'alors. On apprend des choses. Hein. Tu savais que vous, les Français, on la 16e connexion la plus rapide au monde. Donc tu veux nous instruire aujourd'hui? Eh bien non, je ne savais pas. Mais ça
fort possible, parce qu'on est assez à... Enfin, par rapport à d'autres pays, on se développe pas mal. Je vais garder la durite, parce qu'après je me plains de ne pas en avoir. Un jour je me ferai aussi une grosse session de d'aller chercher des minerais aussi, tout ça. Une grosse session même d'aller chercher de la... comment... De l'art de notre clay. Et la Belgique 9ème. Oh, vous les Belges. Et tu te plains de pas avoir une bonne connexion. Mais tu te fous de ma gueule. Franchement. Tac. Si t'avais pas une bonne connexion, tu serais pas 9ème. Non, après ça dépend de tout le monde, bien entendu. Puis moi par exemple, j'habite en campagne. Et encore, moi j'ai de la chance, je capte super bien et je suis en campagne. Parce que j'ai des mecs, mais moi je suis juste à côté de trucs de co. C'est-à-dire que... bah oui, en gros, je vois même l'antenne de ma fenêtre. Donc je suis plutôt bien desservi, et même très bien. Si un jour on passe en VDSL, je suis bon. Mais là, pour l'instant, parce que j'ai du 20 mégas en descendant. En descendant. Mais le problème, c'est le enfin, en upload, c'est pas beaucoup. Je rêve, il n'y a que moi qui parle. Oui, monsieur, ça arrive. C'est. Mais oui, en live, ça se voit à peu près. Mais sur YouTube, il y a une majorité de personnes qui sont muettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une majorité de personnes. Et oui, j'ai. J'habite aussi la campagne près de Namur. Non, je connais pas vraiment les villes belges, donc je ne saurais pas te dire. Je crois que la seule ville belge que je connaisse, c'est Bruxelles. Et sinon, les autres, bon, je les connais rapidos, mais je suis un peu à l'opposé en fait. Vu que je suis proche de la Bretagne, enfin, je suis pas à l'opposé totalement. Les mecs qui sont à Biarritz sont à l'opposé de la Belgique, mais je suis pas du même côté quoi. Du coup, au niveau des cartes, je connais pas vraiment. Honte à toi, bah, désolé. Du coup, je disais quoi avant? Ah oui, du coup, sur YouTube, ouais, il y a une majorité de personnes qui sont muettes, qui me laissent pas de commentaires. J'en fais partie généralement. Généralement, je poste des commentaires sur les gens qui débutent sur YouTube, qui ont des petits. Pas beaucoup d'abonnés. Là, je les encourage parce que, quand il y a de la qualité, parce que vraiment, je pense qu'ils en ont besoin. Et on a pas une excellente co parce qu'on télécharge des vidéos cochonnes. Franchement, fais pas que ça. Le streaming, ça existe aussi, on ne fait pas que télécharger. Mais oui, du coup, pour ce qui est des commandes. Pour ce qui est de la majorité silencieuse, donc. Je vais réussir à finir cette conversation. C'est que tout simplement sur les lives, forcément, ça se ressent également. Mais moins quand même, parce que les gens sur les lives participent un peu plus vu qu'il y a de l'interaction en direct. Tac, bah d'ailleurs, j'ai remarqué il y a pas très longtemps sur ma chaîne qu'il y a environ 30% de mes abonnés qui regardent mes vidéos et les 60% restants, enfin pas les 160% parce que du coup c'est pas très logique, mais les 700%, les 70% restants ne sont pas abonnés en fait, et ils regardent des vidéos comme ça. J'étais assez étonné, je pensais que c'était moins quand même. Enfin, je pensais que c'était plus peut-être 50-50, vous voyez, mais je pensais pas qu'il y avait une majorité de non-abonnés. Je trouve ça marrant, c'est-à-dire. Tac, pouf, 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 et voilà, donc là c'est la taille. Ouais, bon, là c'est acceptable comme taille. Du coup, ensuite on va descendre, alors on va marquer. Alors, ce que je pensais faire, alors on laisse un d'espace pour les murs, c'est-à-dire que. Les murs là, je vais les creuser en fait, tout simplement. Je pense que oui, il y a la place. Donc là, sur ces murs là, il y aura la déco en fait, tout simplement. Donc on peut se permettre de casser tous les trois en fait. Donc un étage fera 3 de large en gros. Et plus donc la déco, donc ça fera 2 de large en gros. Le 70 me pique le tympan. Le 70. Ah oui, c'était belge. T'es belge. Non? Du coup, tu dis 70, non? Non, attends, 60? Non? Qu'est-ce qu'il y a? 70, oui. Donc c'est 70. Mais 68 de large, je trouve. Non, 68 de large. Pourquoi?
Attends, 1, 2, 3. Pourquoi 6 de large? Précisément. Effectivement. Enfin, je trouve ça trop classe le 70. Enfin, c'est pas que c'est classe, c'est que c'est plus logique. Enfin, pourquoi on a mis 70? Enfin, oui, logiquement, on devrait dire 70. La langue française est débile. Alors, je respecte la langue française, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu con quand on y pense. Parce que 80, 90 et 70, c'est la logique extrême. Mais j'aimerais bien dire ça en vrai, enfin l'utiliser plus souvent, juste pour troller les gens, parce que même en cours de match, je suis sûr que ma prof elle me regarderait en disant: qu'est-ce que tu racontes? 70? Ça veut dire quoi ça? 70 000? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Paul? Je n'ai pas compris. Pour que le trou soit plus petit, pour qu'il ait un puits de lumière. Oui, mais pourquoi 6-8? J'ai pas compris en fait la façon dont tu l'as exprimé. C'est ça le truc. On entend de l'eau par là. Ah oui, c'est normal. J'ai fait une cascade. Blasphème, Paul. Pourquoi blasphème? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je vous jure, j'essaie d'être normal cette fois. Tac. Pour pas que le tout. Pour pas que ce soit trop large. Oui, trop large. Ouais. Mais je vois pas trop ce que tu veux dire. Attendez, je réfléchis à un truc qui pourrait être vraiment badass. C'est en fait que au milieu, au centre, il y a un ascenseur. What? Attendez, il y a un problème là. C'est un père. Enfin, c'est père. Wow! Pourquoi c'est père ça? C'est pas normal. Tac, attendez, on va régler ce problème. Pourquoi tu te vides pas? J'ai pas besoin, je suis allé aux toilettes juste avant. Voilà, c'était la blague du jour. Tac, du coup, 3, 3 et 3. Ce que je me disais, c'est qu'on pourrait faire une plateforme au milieu. Parce que ça pourrait être vachement cool. Non, en fait, pas le truc du bas. Pas le truc du bas. Vous n'aimez pas l'idée que ça soit plusieurs étages? Non, mais dites-le, hein, franchement, si ça peut être toujours utile. Je le ferai quand même, mais ça peut toujours être utile de savoir de connaître votre avis. Parce que le problème, en fait, c'est que je peux pas ni monter, ni aller à gauche, ni aller à droite, ni aller tout droit. Donc la salle des coffres, à un moment donné, elle va être petite. Et oui, je me doute qu'il fallait que je vide mon inventaire, mais enfin, c'est pas trop grave, hein. C'est des blocs de diorite et de cobble. C'est pas très utile. Si, j'approuve largement. Très bien. Alors attendez, du coup ce que je voulais faire, c'est faire une plateforme au centre. 5 par exemple. 1, 2, 3, ça fait ça. Ça c'est le centre. Très bien, donc 1, 2, pouf. Voilà. Donc là on a une plateforme de 5 x 5. Et ce qui va être rigolo, c'est que ça va faire, en fait ça va faire un pilier au milieu. Qui, donc avec des ponts qui vont relier. Par exemple là je vais faire un petit pont joli. Ça va être vraiment de classe. Et ce qu'on pourrait faire à la limite, c'est pourquoi pas l'utiliser comme un. Soit on l'utilise comme un ascenseur. Alors, non, peut-être pas ascenseur. De toute façon, ce sera pratique parce que, comme ça, si on veut aller de ce côté-là, il n'y aura pas à faire tout le tour. Ce qui risque d'être vite chiant. Donc, on pourrait l'utiliser pour ça. Mais ascenseur, je sais pas trop. Par contre là il se... non, si on pourrait mettre un ascenseur au milieu à minecart, ce qui pourrait être assez pratique. Parce que les ascenseurs à minecart c'est rapide, il n'y a pas vraiment besoin de trucs. Du coup là on peut tomber, enfin non, parce qu'on tombera comme ça en vrai. Mais du coup voilà, ça peut être... l'ascenseur à minecart peut être pratique puisqu'il va assez rapidement. Donc voilà. Par contre, tiens, petite question, combien fait-on d'étages? Pourquoi tu m'as mis... On est un jour férié, j'ai pas envie de faire des calculs. Ah, 25 divisé par 14 tout au carré fois 56 moins 96 divisé par 14 puissance 24 égale x. Mais pourquoi? Pourquoi ce calcul? Quel est le rapport avec ça? Quel est le rapport avec l'univers? Enfin, encore si c'était 42, tu vois, mais. Là, là. Je vous aime, mes petits abonnés.
Pourquoi tant de violence? Du coup, tac. On va baisser. Alors, combien d'étages? 3. Ah oui, c'est pour ça que tu réponds. Ouais, bah oui, 3. Je pense que c'est bien. On ouvre 7 étages, un en dessous. Et un encore en dessous. Car tes calculs impairs sont durs. Oh non. Pas compliqué. Donc attendez, j'ai fait combien de haut? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai fait 5 finalement. D'accord, je croyais que j'avais fait 6. Du coup, on va creuser de 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'ici, donc c'est une terrasse et donc ça va continuer en dessous. Voilà. Et alors, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que comme après, on sera en dessous, on peut agrandir encore la salle des coffres. Ça pourrait être pas mal. Du coup, en fait, plus on descend, plus la salle des coffres est large. Ce qui pourrait être pas mal. Ça peut être pas mal, effectivement. Du coup, on va faire ça. Ce sera vraiment cool. Du coup, ça va prendre du temps un peu de creuser tout ça. Sachant que là ma fortune, elle va vite être. Ça va vite être la dèche. Et effectivement, je vais me vider dans ce truc. Tac. J'aurais pu garder la durite à la limite. On va la garder. Parce que ça peut être utile pour des constructions. Vous voyez, je garde un peu trop de trucs. Et de toute façon, on va placer un coffre, je crois, parce que là, ça va être une catastrophe, sinon. Une véritable catastrophe, tiens. Du coup, on va aller chercher ça. Plus tu descends, plus c'est large. Ouais, bah voilà, c'est ce que j'ai dit. Merci de me répéter. J'ai des répéteurs professionnels. Vous êtes très gentils, les gars. Du coup, ce qu'on va faire, ça ne sera pas logique. Écoute, on va tester. Si c'est dégueulasse, on l'enlèvera. Il y aura juste à rajouter des blocs. Et sinon, voilà. Du coup, il me faut du bois pour faire des coffres. Et heureusement, je suis allé couper du bois hier soir, pas ce matin. Tac. Boum, des coffres. Et puis après, ce sera cool. Déjà, franchement, quand. Voilà. Ouais, et puis, ouais, les pyramides, voilà, c'est une pyramide inversée. C'est un sur pyramide. Oui, parce que on a commencé à faire des maths. Alors on finit, ça fera un sur pyramide. Ouais, les premiers coffres de la salle des coffres. C'est, n'est-ce pas magnifique? Tac. Pouf. Déjà, franchement, quand il y aura une salle des coffres, je me sentirai tellement à l'aise. Enfin. Dire quand ça sera rangé et tout, plus tu descends, plus c'est petit. Mon clavier a fourché. Non, mais parce que là, c'est la taille maximale qu'on puisse faire à cet étage là. En fait, ce que je veux dire, c'est que là, on a la largeur et la longueur maximale qu'on puisse faire. Donc, si c'est de plus en plus petit, j'ai franchement peur. Non, ça peut être vraiment badass, je pense. Un sur pyramide égale, je sais pas combien, mais c'est l'inverse de pyramide. du coup voilà, donc on va tester ça, déjà ce sera pas mal. Du coup attendez, on va récupérer ces pioches, on va les utiliser même si c'est un peu plus long, tant pis. Mais au moins, ça ne gaspille pas de diamants. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser comme ça au fur et à mesure. Ça sera bien. Oui c'est vrai en fait. Donc en fait, ouais, ça va, si on fait plus on descend, plus c'est petit, ça va vraiment être petit. Et j'ai un peu peur que bah, ce soit trop petit en fait finalement. Ah, par contre, on va pas avoir assez de lumière, donc on va vraiment en mettre sur les bords. De toute façon, on peut en mettre autant qu'on veut, hein. On a plein de torches. Wouh! Tac. Et déjà, on va voir, déjà, rien qu'avec un étage, je pense que ça va rendre bien. Et en plus, du coup, le trou, il sera plus grand. 1 sur moins pyramide. Non, il n'y a pas besoin de moins. Putain, mais on fait des maths, quoi. On a aucune âme, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a aucune âme. On est sur un live Minecraft et on parle de 1 sur pyramide. Déjà, ça ne veut rien dire. Déjà, ça n'a aucun sens. Ensuite, voilà. Tiens, je vais me demander, petit sondage. Oui, l'opposé. Non, c'est l'inverse. L'opposé, c'est. L'opposé, c'est. Oui, c'est moins. L'opposé, c'est moins pyramide. Mais l'inverse, c'est 1 sur pyramide. Mais sans le moins. Bref, je vais faire un petit sondage là. Qui là est sur Twitch et qui est sur ma page, enfin sur mon site, donc sur luapol.fr.
Je me demandais, comme ça, pour savoir. Parce que c'est plutôt rigolo. Je dois un prochain Nirvana dans les oreilles. C'est génial. Ça va bientôt faire une heure. Non, moins parce qu'on a commencé. Je commence à 35 peut-être, tout comme ça. Pas totalement à 30. Je vous ai trahi, oui. Malheureusement. Déjà, alors, si on fait deux étages dans cet épisode, ça pourrait être pas mal. Oh, catastrophe! J'ai pas activé le replay mode. J'étais sur Twitch, mais il y avait des messages que tu disais et qu'il n'y avait pas sur ton... Ah oui, donc t'es sur le site. Très bien. Du coup, attendez, je vais me décorer court. Je vais pas afficher parce que je sais pas s'il y a des trucs qui pourraient être... Enfin, je vais regarder. J'active le replay mode. Bon, du coup, on n'aura pas le début de la construction en timelapse. Parce que je vais faire ça en timelapse, celle des coffres. Mais déjà, si on a... C'était pas très intéressant, forcément, le début. Mais là, ça va commencer à être plutôt cool. Du coup, attendez, il faut que je capture de jeu. Voilà, on va la fermer juste pour se reconnecter à Redwood. On voit pas le lien, mais on sait jamais. Peut-être des secrets que je vais cacher. Tac, voilà. Good. Donc, vous voyez, recording started. Donc là, on est en replay mode. Donc, dites bonjour. Qui a Minecraft Pocket Edition? Je ne l'ai pas. J'ai pu l'essayer, mais je ne l'ai pas. Il fait tout noir. Mais oui, mais j'ai remis la lumière, là. Enfin, vous l'avez pas encore vu. Mais moi, je l'ai vu. Moi, là, ça s'est rallumé. Bonjour. Petite musique calme. Je sais pas, parce que ma playlist a des musiques super énergiques et tout. Et là, d'un côté, une petite musique là, calme. Elle est plutôt cool celle-là, c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Plutôt cool, plutôt pas mal, ça fait beaucoup de cool, mais pas mal. Je suis plié en deux devant mon PC. Pourquoi? C'est que drôle. J'ai juste activé le replay mode. Je suis sur Twitch parce que ma tablette et ton site n'affichent pas le live. Ah bon? J'ai pas testé sur tablette, vu que j'en ai pas. Mais c'est possible, c'est possible. De toute façon, les deux sont accessibles, hein. Enfin, moi, là, je suis sur Twitch, personnellement. Parce que, oui, j'ai mon live d'ouvert à côté. C'est pas pour me faire des vues, hein. Mais c'est parce que il faut que j'ai un œil sur si ça marche ou pas, en fait. Parce que moi, forcément, quand je... Bah, moi, si vous voulez, là, j'ai OBS d'ouvert à côté qui me montre... je vois ma tête, là, par exemple. Coucou. Mais voilà, mais le truc, c'est que je ne vois pas si ça lag, en fait, réellement. Enfin, je vois mes, combien je fais de kilobits par seconde, mais c'est tout. Alors que quand je vois sur Twitch, je vois si ça bug ou pas. Car la musique s'appelle Vitamine. Et qu'elle est pas énergique. Pour ça? Non. Tu te marres rapidement, dis donc. Donc elle est énergique. Bah ouais. Coucou. Vous avez descendu de latence, les mecs. Pourquoi vous dites coucou comme ça? Tac. Mais quelle blague! Toc toc toc. C'est une blague de merde dans quelques secondes. Non, j'en sais rien. Du coup, tac. Je dis souvent tac. Effectivement. Mais Archon? Archon? Enfin, je sais pas, ça se dit Archon ou Archons? Je pense que c'est plus Arkans. Tac. Perfecto. Mundos. Anina. Anina. Vous avez des drôles de lire, les mecs. Je tiens à vous donner à vous le dire. Tac. Du coup, de combien on va agrandir? Aucune idée. Déjà, on va creuser et puis après on verra. Arknos. Ah d'accord, je prononce ça pas du tout. Bon bah voilà, on saura maintenant comment t'appeler. C'est toujours utile. Ouais, vraiment, bah... Je pense qu'on va aller se faire des withers après. Enfin, des petits mobs, hein. On va pas aller se faire un wither. On va aller se faire... des wither skeleton, je voulais dire.
parce que j'ai pas encore de squelette justement. Je vais peut-être en faire avec pourquoi pas Keeper ou d'autres gens. Je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient faire un dernier loser. Sauf que moi il me faut 4 beacon. Bon déjà si j'en ai un ce serait bien. Tac. Non, Arknons. Hein? Arknons. Ah, Arknons. C'est facile à prononcer. Arknons. D'accord. Bon, là, je prononce de manière dégueulasse. Hein. Les bouts sont pas liés. C'est triste. Bon, par contre, là, je veux bien, mais la musique est peut-être un peu trop lente quand même. Elle est un peu plus énergique. Encore, elle est un peu lente quand même. Mais c'est du overwork. Ça passe. C'est toujours plausible. Pouf. C'est vraiment lent avec une pioche en fer quand même. Je me rappelle pourquoi j'ai pris la pioche en diamant juste avant. A chaque fois, je me rappelle de ce choix qui m'a gâché ma vie. Alors les gars, je vais vous poser une simple question. Est-ce qu'on fait notre minute patriotique et on met la Marseillaise pour le 11 novembre? C'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. On peut la mettre, hein. C'est un peu bizarre, mais... Écoutez, en mémoire de nos bons vieux soldats, on peut mettre la Marseillaise. Ah, d'ailleurs, on pourrait faire ça, attendez. Si vous voulez, on va faire une petite prank. Alors, à qui, je ne sais pas. On peut faire une prank à tout le monde, à la limite. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on met... on met des drapeaux français partout. Alors oui, bon, ce serait valide le 14 juillet. Mais bon, on va dire pour la minute patriotique. Alors non, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, on finisse cet étage quand même. Et après, on va faire ça. C'est débile, ça n'a aucun sens. Il y a un Belge qui se fait arrêter par la police. Non, 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 plus de blague. Salut Darket, 1999. 1999, c'est ton année de naissance? Parce que si oui, on a le même âge. Tac, tiens, on va ressortir la fortune pour ça. Pourquoi j'ai mis des lampes? Enfin, pourquoi j'ai mis ça? Aucune idée. Tiens, on va creuser d'un encore, parce qu'il nous restera un étage après. Non, la Brabançonne. C'est quoi la Brabançonne? Une prank chez Fuse. On a touché tout le monde. On va faire une prank chez tout le monde. Une prank générale. Ça pourrait être rigolo. On fera une pause entre les deux, comme ça j'irai chercher. Comme il y a deux verres de moins. Tu parles encore de ta blague là? Ah, il est belge. Mais c'est ce que je me suis dit. Je l'ai jamais écouté dire l'hymne belge. J'ai jamais entendu l'hymne belge, je crois. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et quand on y pense, la Marseillaise est quand même un truc assez hardcore. Hein. Parce que je crois qu'il... Attendez. Je crois qu'il demande aux enfants à un moment... Enfin, il parle d'empalé ou des trucs comme ça. Je sais plus les paroles en tête, mais... T'as des phrases, tu te dis... What the fuck? Quoi? Oui, oui, là. La Marseillaise est un peu spéciale quand on y pense. Tu écouteras. Peut-être. C'est le truc bien chiant. Peut-être. Si l'envie me prend un jour, ok. Mais sinon, non. Non, non, j'écouterai un jour juste pour ma culture générale. Parce que c'est bien d'avoir de la culture générale. Il y a 8 couplets dans la Marseillaise. Tiens, le mec, il est belge, il connaît la Marseillaise par cœur. Tu sais, il commence à nous la réciter là. Il a compté le nombre de couplets. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué à retenir, mais... Quand même, c'est bien. Tac, et il nous restera un dernier étage à creuser, et on aura pratiquement fini, parce qu'après, bon, il restera les trucs. Déjà, on aura fait l'idée de base, parce que je dois vous avouer, quand j'ai débuté le live, je savais qu'on creuserait, mais qu'est-ce qu'on allait creuser? Alors que là, bon, c'est à peu près, quoi. Tac, good. Pouf, camembert. Un couplet qui dure 2 minutes. Bah, c'est un petit couplet, ça va. C'est quoi ton projet là? Alors là, on travaille sur la salle des coffres en fait, tout simplement. Dans la future salle des coffres, donc qui ressemble à rien pour l'instant, effectivement. Mais voilà.
Tac. D'ailleurs, je me disais pour le pilier central là qu'on a fait, il pourrait s'amincir au fur et à mesure, vous voyez. Et du coup là pour quand il arrive en haut, ça puisse. Enfin ça c'était juste à... Ce qui est bien c'est que quand il y a une webcam, je peux vous montrer. Ça fasse un pic en gros, ou alors juste mettre des. Genre des petits piliers genre pour coffrer ses items. Coffrer ses items. Et du coup, ouais, ça pourrait s'amincir, je pense. Et du coup en bas ça serait plus gros, vu que la salle est plus grosse. Du coup ça. Je joue aussi à Minecraft. Oh, y a du clash dans l'air là. Là je me demandais, vous qui n'avez pas de vidéo ni rien, enfin qui ne faites pas de vidéo, enfin je sais pas si vous faites des vidéos, mais est-ce que, enfin quels sont vos projets sur Minecraft en fait, enfin ou alors sur quel serveur vous jouez ou ce genre de trucs, ça m'intéresse de savoir ce genre de choses. Donc allez-y, dites-moi, racontez votre vie, ça ne me dérangera absolument pas. Un trou autour du pilier central. T'as Garry's Mod? Oui, j'ai Garry's Mod. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, tiens. Mais le Garry's Mod, je joue surtout au Murder, en fait. Je joue pas... Enfin, je fais pas grand-chose d'autre. Mais oui, enfin, en tout cas, j'y joue. En fait, ce qui est bien avec ce pilier, si vous voyez, c'est que j'ai moins de blocs à casser. Enfin, bon, c'est pas énorme, hein, c'est un cube de 5x5. Redstone, construction modée, mais personne de mes potes aime le modé. Je vais bientôt me mettre au modé, moi, enfin, peut-être faire un petit serveur avec des mecs. Dark RP, non, je suis pas. Ouais, je vais bientôt faire du modé. Le problème avec le modé, c'est qu'en fait, je sais jamais où aller. C'est-à-dire, par exemple, un Feed the Beast, je sais pas quoi faire. Il y a trop de choses, en fait, et je me dis, ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je meurs. Enfin, c'est une façon de parler, mais je meurs pas réellement, vu que je suis toujours là. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, j'ai survécu, mais vous comprenez l'idée, quoi. Je ne sais pas trop quoi faire ni rien. Tac, très bien. Du coup, alors non, c'est pas fini. On ne s'excite pas. Il y a encore ça à creuser. Du coup, on recule de combien? Je refais à Versailles sur un serveur avec Silicon TV qui fait des lives sur Twitch. Versailles, un beau projet. Sachant que c'est assez gros. Tac. Du coup, on recule de combien? YouTube quand le temps sera à ta disposition. Pas de problème, j'irai voir après le live, je pense. Du coup, ouais, on recule de combien? C'est la question. On recule de 3, on recule de 2, on recule de 5, on recule de 50 blocs, même si c'est un peu impossible, mais je sais pas. Proposer. Versailles connaît pas. Oh, quand même, Versailles. Bon, c'est en France, donc tu connais peut-être pas. Mais c'est un grand château. Et tu rigoles, oui. J'espère quand même. Parce que même pour un Belge ne pas connaître Versailles, 2 ou 3, ouais, je pense 3, parce qu'on aime bien l'impair. 50 blocs, oui, bon, c'était exagéré, oui, effectivement. Bon, du coup, là, on a 3. Ça, c'était la taille qu'il y avait avant. Et du coup, on va rajouter 3. C'est vrai que 3, ça fait beaucoup. Bon, écoutez, on va voir, on va tester. En fait, j'ai peur que vraiment je suis sous une montagne. Alors que vu comme ça, on dirait que je suis sous une montagne dans la vraie vie. C'est, non. Le projet durera 3 ans et il y en a plein de modes de déco. Le projet durera 3 ans. Tu sais déjà combien de temps durera ton projet. C'est fou. Au moins, c'est pas l'espace qui manquera. Non, mais à chaque fois dans mes salles des coffres, je me dis. À chaque fois, je me dis, il y a pas assez de place. Bon, bah, là au moins, on a une semaine à Toussaint et une à Carnaval. Oui, 3 ans. Enfin, oui, moi, ce qui. Tu sais combien de temps va durer ton projet? C'est cool, hein, je veux dire, au moins, c'est pratique. Moi, si je pouvais savoir combien de temps durerait mes projets, je serais plutôt content. Enfin, j'aime bien être fixé dans le temps. J'arrive jamais à me fixer combien de temps durent moi les projets. Généralement, ils sont plus longs que ce que je peux faire. Ça demande du temps quand même. Du coup, ce sera plutôt pas mal. Alors, bon, là, ça fait bizarre. Mais en vrai, il y aura des piliers sur le plafond pour soutenir les étages dessus quand même. Et c'est énorme. Mais après, je pense que je vais passer en créatif sur mon serveur créatif. On est en train de construire une ville.
Et là, on est en train de faire un quartier, mais c'est juste le premier quartier qu'on fait. Et déjà, c'est grand. Et sur notre carte, c'est un point. Du coup, on est en train de se dire que, genre, ça va nous prendre plus de 3 ans. T'auras 17 ans. Du coup, t'as quel âge? Attends, bah 17 moins 3. Du coup, t'as 14 ans. Tiens, j'étais aussi allé voir la moyenne d'âge sur YouTube. Et j'ai 1,6% de mecs qui ont plus de 65 ans. C'est ouf! Imagine! Des mecs de 65 ans qui me suivent! Non, en vrai, je pense pas que ce soit des mecs de 65 ans. Je pense que c'est des mecs qui disent qu'ils ont 65 ans alors qu'en fait, ils ne l'ont pas. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que ça serait utile de reculer? J'aurais 19-20 car je suis né en janvier. Oh, si, 2. On va reculer 2. Je vais regarder déjà ce que ça donne. Regardez si on tombe pas sur la terre. On a plus de ce côté-là. J'ai l'impression que non. Bonne nouvelle. Ouais. Good. Ouais, moi, dans 300, j'avais un certain âge. Ouais, la communauté est relativement jeune. Il y a quand même 1,6% de mecs qui ont plus de 65 ans. Donc, de mecs qui sont à la retraite. C'est un plus. Bah, ça veut dire que je suis assez jeune aussi, donc. Voilà. Et j'ai commencé très tôt sur YouTube, hein, parce que j'ai commencé il y a 4 ans, donc je. J'avais quoi? J'avais 12 ans. Ouais, oui, je pense. Je réfléchis. J'étais en 5ème. Je sais pas quel âge on a en 5ème. La vraie dire, j'ai la flemme de calculer. J'ai la flemme de faire 16 moins 4. C'est quand même le calcul le plus simple de l'univers. Donc plus ou moins 2 personnes de plus de 60 ans. Oui, sûrement. C'est 65. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont 60 ans. Il y en a plus. 12 ans, ouais, sûrement un truc comme ça. J'étais un taré. D'ailleurs, mes vidéos étaient de très mauvaise qualité. Si vous voulez vous amuser à remonter les 281 vidéos, vous allez voir que ma première vidéo. Non, 5. Ah oui, mais toi t'es belge. C'est pas les mêmes trucs. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, vas-y. Tu nous as apporté de la science, tu nous as apporté des maths, tu nous as apporté des trucs de particules, tu nous as apporté plein de trucs. Donc, Arknons, dis-nous comment marche l'éducation nationale en Belgique. Il est temps de savoir, il est temps de mettre une idée au clair. Mon projet Minecraft serait de créer une map full RP avec des systèmes exclusifs. Ouais, bah c'est bien. Full RP. Non, c'est ça que t'es. Oui, full RP. Et médiéval. Enfin, je veux dire du RP médiéval ou du RP moderne par exemple. Parce que moi j'ai un projet, bah, c'est de faire un RP, un serveur RP, mais dans un monde moderne. Parce qu'on n'a pas. Enfin, personnellement, j'ai presque jamais vu de RP moderne, si vous voulez. On a vu des villes modernes sur Minecraft et tout, mais pas de serveur RP avec des constructions modernes, un fonctionnement politique, tout ça moderne. Donc par exemple au niveau économique et tout, ce serait peut-être des euros ou des dollars, je sais pas encore. Donc, plutôt moderne, normal. Voilà, c'est bien. C'est original, j'aime pas les médiévales. J'ai aucun ségoût, hein. Il y a des gens qui aiment pas le moderne. Enfin, c'est plus rare quand même. Mais enfin, il y a des gens qui préfèrent construire du médiéval que construire du moderne. Parce que le moderne, ça demande un peu plus de technique. Enfin, le médiéval, c'est plus facile à faire. Je n'aime pas les trucs anciens. Moi ça m'intéresse moins, mais ça m'a vachement intéressé à une époque. Mais là le médiéval j'en ai un peu marre effectivement, du coup j'en fais clairement moins. Je me mets à d'autres styles de construction. Par contre un style que j'aimerais bien faire c'est le steampunk, qui peut être très très sympa. Mais voilà, après c'est au bout de chacun encore une fois. Mais franchement le steampunk c'est un truc que je trouve pas mal, enfin, je trouve ça vraiment rigolo. Donc voilà, simplement. C'est rigolo, j'aime. Enfin, tout est rigolo chez moi, donc. Tout simplement. Tac. On va bientôt arriver à court de pioche, je crois. On a encore
pas du temps. Et puis on n'a pas fini totalement. Enfin, c'est-à-dire que là, il reste encore. Ouais, franchement, ça va être grand. Hein. Parce que vu de là, ça va faire de l'espace quand même. Sachant qu'il y aura des coffres et tout ça. Déjà, quand ça sera décoré, on se rendra mieux compte aussi. Salut, Ger. Tac. Oula, oula. Moi j'ai inventé une architecture minecraftienne qui se nomme Aerobuild. Intéressant. C'est une construction de l'espace. Alors attention. Arknons nous a dévoilé sa science de l'éducation nationale en. Gère, tu gères. Bon alors il fait des blagues de merde aussi, mais. Mais surtout il a sorti sa science de l'éducation nationale. Alors à partir de 3 ans, première maternelle, deuxième, troisième, 6 ans. Primaire, deuxième, troisième, quatrième, là, 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 plus 12 ans, grande école, première, deuxième, troisième, plus diplômé, de fête d'humanité, puis. Oh là là, ça a l'air compliqué tout ça, ça passe de cinquième à première. Merci, on me le dit souvent. Ah, on a des grosses blagues sur ce live. C'est incroyable. Un truc de ouf. Tac. Bon, du coup c'est plutôt pas mal. Tout ce qu'on fait là. En tout cas on aura bien avancé, rien que sur les plans à peu près de ce que ça va donner pour finalement. Mon sixième à première, ouais, c'est un peu what the fuck. Enfin c'est pas what the fuck, mais c'est bizarre quoi. Bah quand on connaît pas et que c'est pas comme nous, forcément on se dit c'est bizarre. Ouais, ça fait une sacrée taille, et sachant qu'il y aura un étage en dessous encore. Alors, faut s'imaginer comme ça. Avec la décoration, déjà, ça va rendre beaucoup plus grand. Donc, je pense que ça peut rendre vraiment pas mal. C'est curieux. Bah, c'est pas si compliqué que ça, finalement, nous. Ça. Bah, si, parce que faut connaître les trucs. Le Aerobuild, c'est des pixels couchés et. C'est des pixels couchés et toi tu regardes du haut vers le bas. Attends, du haut vers le bas. Oui, je sais. Du haut vers le bas. Et c'est couché. Tu regardes du haut vers le bas. Étonnant. Faudrait que tu m'envoies des screens. Parce que là, je ne vois pas trop. Tac. Ouais, bah après, ouais, tu connais parce que bon. Le français. Enfin, je veux dire, c'est. Les trucs français sont plus connus que les trucs belges, forcément, parce que c'est un plus gros pays. Et je me demande, parce que j'avais croisé des Suisses un jour. Ils m'avaient dit que les Suisses, en fait, ils ont leur télé. Alors, ils ont une chaîne, je crois. Vraiment, c'est ça. Ils ont une chaîne de enfin, Suisse. Et, et toutes les autres chaînes, c'est les chaînes françaises. Alors, je me demandais si en. Comment ça s'appelle? Bah en Belgique justement. Est-ce que t'aurais. Est-ce que t'as beaucoup de chaînes françaises en fait? Parce que si oui, bah, c'est normal que tu connaisses un peu le système français vu que aux infos et tout ils en parlent. Tu fly et tu regardes en bas et t'as des dessins par terre. Ah oui, ok. Oui, en gros, quand t'es à terre, tu comprends pas trop ce qu'il y a sous tes pieds. Et quand tu t'envoles, tu comprends. Tac. Nous on a TF1 France 2, ouais voilà, mais après est-ce que t'as. Enfin, est-ce que c'est les chaînes que tu regardes le plus souvent? Enfin, est-ce que c'est les chaînes principales là-bas? Ou est-ce qu'il y a d'autres chaînes qui sont plus importantes encore en Belgique? Parce que TF1 France 2 et tout ça, c'est. Si tu veux, c'est les chaînes. C'est majoritairement les chaînes de sport. Parce que nous, pour nous, TF1 France 2 et tout ça, c'est nos chaînes principales. Mais après, est-ce que vous avez une autre chaîne principale par exemple? Qui est belge justement. C'est toujours bien de connaître ce genre de truc parce que c'est vrai que la Belgique, la Suisse et tout ça, merde. Fuck it. Ça va être embêtant ça. Alors on va boucher. Pas avec ça par contre. Bon, j'ai que ça. Bon, on va boucher avec de la cobble, c'est pas grave.
Bah, du coup, je trouve ça toujours bien de connaître un peu tout ça parce que c'est vrai que c'est des. Merde, je voulais pas le poser là. Ça fait de la merde. C'est vrai que c'est des pays qu'on bah, connaît comme ça, mais en fait, qui. Bah, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Oui, donc t'as... Enfin, tu regardes pas fort. Enfin, toi par exemple, est-ce que tu. Ça va vite m'énerver ces trucs là. Est-ce que toi par exemple, tu regardes souvent TF1 et tout ça? Tac. J'arrivais à court de pelle. Ah, ça va être chiant, ça va être dégueulasse. Bon, c'est pas grave, on fera ça, on fera la déco de la grotte après. Ouais, c'est ça en fait. Tu regardes plus, donc ouais, donc tu regardes plus la chaîne nationale. Enfin, la chaîne française. Donc c'est pour ça, enfin. En fait, ouais, en fait, c'est pas super pratique parce que du coup, vous avez plus des infos de la France que les vôtres. Enfin, après, je suppose que ouais, l'information est bien relayée quand même, mais voilà, c'est plutôt rigolo, enfin, oui, oui, c'est rigolo. Tac. Du coup, on aura fait ça. C'est sympa, très sympa tes lives, follow, merci. Ça fait plaisir, je vais essayer d'en faire plus, mais il est vrai que ça demande du temps. Ça me prend du temps. En fait, tu as quoi comme casque? C'est un casque totalement pété. Il ne marche. Enfin, en fait, c'était mon premier micro-casque. Donc, il a 3 ans, je crois. On va dire l'âge du truc. Et un jour, du jour au lendemain, le micro a cessé de fonctionner. Donc, maintenant, j'ai ce truc-là, ce testicule géante. Qui est un Blue Yeti, donc qui fait de la très bonne qualité. Hein. Je m'en moque, mais en vrai, c'est bien. Alors, tu peux pas follow sur le site, c'est sur Twitch en fait. Y a pas ce système. Je pourrais faire ça sur le site, remarque, mais je l'ai pas encore fait. Bon, on va enterrer tout le caca. Les caca qui sont là, on va les mettre là. On va garder la diorite. Le granit, il y en a tellement peu qu'on s'en fiche un petit peu. Comme on dit dans le jargon, on s'en bat les steaks. Tu vois le cœur à gauche? Ouais, voilà. Mais sauf que en fait, Arknons il est sur le site. Oh, zut. Non, mince, je peux juste de la durite. Je vais pas aller retourner dans ce trou. Dans ce trou de malheur. Tac. Non, non, c'est pas ce coffre là. D'ailleurs, je salue mon frère qui ne doit sûrement pas regarder le live. Mais c'est lui qui a fait la page que vous voyez. C'est lui qui l'a fait lui-même. Du coup, c'est vraiment cool. Du coup, ça va être vraiment grand parce que là, si on rajoute un étage en dessous, bon, ce sera la plus grosse salle des coffres que j'ai jamais eue. On va pas s'en plaindre, c'est ce que je voulais. Donc, bon, parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vous propose quand même de finir. Je vais voir, j'ai quand même envie de finir. Ah non, il y a d'autres pioches là, très bien. J'ai quand même envie de finir juste cet étage là. Et après je pense qu'on va pouvoir aller bonjour frère. Du coup je pense qu'après on va pouvoir aller peut-être pranker rapidos. Enfin ça va être une petite prank hein. Enfin je considère pas vraiment ça comme une prank. Le replay mode est toujours activé. Good. Alors attendez je vérifie. Ouais 5. Du coup ça va être géant. Franchement ça va être beaucoup plus grand que ce que je voulais. GG à lui. Ouais il a fait du bon travail. Gratuitement, c'est un esclave. Heureusement qu'il ne regarde pas cette vidéo, sinon il me tuerait. Enfin, je pense qu'il s'en bat littéralement les steaks de ce que je dis. Mais voilà. Non, mais franchement, oui, il a fait du bon boulot. Tac. Sachant qu'il est parti de rien, hein, il a vraiment tout mis. Et met un petit drapeau belge en dédicace. Peut-être. Un jour. On n'a pas de belge sur Doud. Il y en avait un avant, mais il est parti. Mais sinon, non, on n'a pas de belge. Du coup, on ne peut pas faire de blague. C'est un peu triste. Ni de blague sur les frites, ni rien. Ça me rend triste. D'ailleurs, c'est pour ça que tu fais autant de blagues. Parce que t'es belge. Et les belges font des blagues. Souvent pas très drôles. On va te vexer. What? Attendez, mais la dernière fois que j'ai regardé l'heure, on a gagné 30 minutes. Esclave, fais-moi ma page Twitch maintenant, immédiatement. C'était à peu près ça en fait. Non, le pire, c'est que c'est lui qui m'a proposé. Enfin, si vous voulez, j'avais mon site internet et tout. Il a fait. Parce que
que tu veux rajouter une page Twitch? Pourquoi pas? C'est plutôt rigolo. C'est pas vraiment utile en soi, vu qu'il y a... Enfin, vu qu'il y a Twitch en soi, mais je trouve ça sympa. Je suis très friand des blagues. T'es très fritant. C'est une blague de nul, voilà. Là, ça, c'est les blagues françaises. Moi, j'ai deux sœurs. Moi, j'ai un frère. Et j'ai Jacqueline. Ça, ça vaut 5 sœurs. Je vous jure. Encore les grands. Je pense que les grands frères et grandes sœurs sont moins désagréables que des petites sœurs. Parce que quand on est petit. Enfin, les petits frères et tout ça, c'est. C'est beaucoup plus chiant, je pense. Parce que bon, tu dois les supporter. Alors que bon, les grands frères et les grandes sœurs, en fait. Personnellement, pas. Voilà, mon grand frère, il est plus à la maison. Il revient le week-end, mais. Voilà. Du coup, je suis plutôt tranquille. C'est pour ça que je fais mon live là, parce que la connexion n'est pas du tout utilisée. C'est plutôt pratique. D'ailleurs, je remarque, hein, généralement le week-end, ben, la connexion est quand même bonne, elle reste assez stable. Mais ça m'arrive parfois le week-end, franchement, la connexion elle peut baisser vachement. Tac. Donc, V va être un petit frère. Même si ça peut être chiant parfois aussi. Hein, dans les deux sens, il y a des désavantages de toute manière. Il y en aura toujours tout le temps. Donc, mais voilà, c'est rigolo parfois. Voilà, on raconte vraiment notre vie dans ce live, hein. C'est un peu le dawa. Tac. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre? On a établi plein de sujets là, c'était vraiment cool. Parce que je me rappelle une époque où il y avait moins de participation quand même. Mais là, on lance des petits débats, des petites histoires. Oh, c'est la musique de mon intro. Désolé, je m'en vais un petit peu. Dès que je l'entends, je m'imagine mon intro dans la tête, c'est horrible. Surtout que ben, moi ce que j'aime bien faire dans les musiques, enfin quand j'ai une musique avec par exemple quand je fais un timelapse et tout, c'est que je pense que vous l'avez remarqué, c'est que ce soit très bien calé sur la musique. Donc forcément au niveau du son, enfin au niveau du calage par exemple de l'Apple qui bouge et tout, qui apparaît au bon moment. C'est calé au centimètre, enfin la centiseconde près. C'est très précis. Du coup, dès que j'entends cette musique, je me dis, enfin, je m'imagine le loco qui tourne et tout. Un peu le dawa. Oui, quand même, il y a... Pourquoi il ferait quelque chose à la cuisine? C'est un peu un stéréotype, ça. Même un gros stéréotype. C'est calculé au litre près. C'est pas vraiment un litre. Vu que c'est pas un liquide. Sauf si mes vidéos sont devenues liquides. Faudrait peut-être s'inquiéter. Alors, j'aimerais voir. Il y a le micro peut-être. C'est gênant. Attendez, si on mettait la webcam sur le micro. Voilà, vous avez un très gros plan de moi. Non, d'ailleurs, on va le remettre où elle était la webcam. Elle était très bien. Yeah. Oh, pauvre petit, tu fais tout le temps tout. Très triste, mais il faut travailler dans la vie. Tac. Du coup, il nous reste un côté. Écoute. Enfin, là, le côté là est presque fini. Donc je considère qu'il reste plus qu'un côté. Pouf, pouf, pouf. Tiens, on va créer un nouveau sondage. Parce que c'est rigolo. Ça vous fait participer. Quelle est votre série préférée? Alors, dans série, j'entends tout. Ça peut être des animés comme des trucs. Même si je regarde pas d'animés. Du coup, il faudra m'expliquer quel est le but. Mais voilà, quelle série vous préférez? Ça peut être sympathique. On va savoir ça. Vous pouvez me faire une liste. Hein. Bon, pas plus de 5 parce que après, si vous avez 50 séries préférées, ça va vite être long. Mais Redwood, oh, c'est trop gentil. Moi aussi, c'est ma série préférée. Le mec qui n'a pas du tout le même truc. Non, mais je vous parlais sinon de séries télé plutôt, pas de séries sur YouTube. Merci, vous êtes très gentil. Ça me touche profondément ce que vous dites. Les Teletubbies. En plus, c'est. T'as écrit Teletubbies, mais genre une télé qui fait la bise à quelqu'un, c'est assez drôle. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est pas en série YouTube, c'est
série télé et tout. Si vous en avez, hein, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Tac, c'est plutôt pas mal. Sachant que le sol, il sera pas comme ça en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pitralala. Voilà. Bon, en tout cas, c'est assez long hein, de couper ça. Vraiment, on va aller chercher des wizards après. Hein. Parce que vraiment, ça commence vraiment à me manquer beacon. Enfin, en fait, j'ai jamais eu de beacon sur l'ancien Redwood. Enfin, si, j'ai déjà eu des beacons, mais sur l'ancien Redwood, en tout cas, j'en ai pas eu. Enfin, je l'avais, mais j'avais pas les ressources pour le faire. Et j'ai jamais eu le courage d'aller chercher tout le fer et tout qu'il fallait. Donc, bien joué, moi. Donc, j'ai jamais eu de beacon fonctionnel en fait. C'est ça le vrai truc. Tac. Ok. Donc, il nous reste ça à faire. Et ensuite, tu regardes Aïe Pierre. Je suis abonné, mais je regarde pas vraiment en fait. C'est parce que. Ben, je regarde parfois, mais. Oula. Ça a commencé. Non. Ah oui, mais Game of Thrones, faut regarder des débuts, sinon on peut pas comprendre. C'est normal. Mais moi, j'ai jamais entamé de série. Ah si. Quand j'étais petit, j'étais tombé comme ça, on avait commencé à regarder une série en plein milieu. C'était pas vraiment une série avec une histoire, donc ça allait. Mais les séries, enfin, je commence toujours du début. Sauf Doctor Who. Je n'ai pas commencé de la version classique parce que c'était trop hardcore, vraiment. Mais bon, Doctor Who, c'est une petite exception. D'ailleurs, ça, c'est aussi la musique de mon outro. Ouais, Pierre. Non, même pas Holicube, ça va. Franchement, Holicube, on regarde surtout Aurélien Stama, parce que bon, Aurélien Stama, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais sinon, je regarde pas trop les autres membres de l'équipe, en fait. Enfin, j'aime moins leur contenu, en fait, c'est ça qui est... voilà. Du coup, en ce moment, je suis vraiment en mode... je pense que vous l'avez vu, un peu renouvelage de la chaîne. Ce qui me pose beaucoup de problèmes. Alors, ça peut être bizarre comme ça. Puisqu'en fait, maintenant, une vidéo... Enfin, avant, une vidéo me prenait du temps à tourner. Par exemple, là, il fallait que je tourne, par exemple, je sais pas... quand je faisais un épisode, bah voilà, je devais faire une grosse construction, bon forcément ça me prenait du temps à faire. Mais voilà, ça n'a pas changé vraiment. Mais par contre, au niveau du montage, ça me prenait genre une heure. Tout pété. Pas de pub par contre. C'est un message privé, je crois. Je sais pas si des autres l'ont vu. Mais pas de pub pour des sites, s'il vous plaît. Alors oui, par contre, quand vous faites des pubs, vous faites pas de pub pour vos sites ni rien. Ça donne tout sauf envie d'y aller. Ce que je disais, c'était que, oui, voilà, avant ça me prenait une heure de montage, maintenant ça me prend une après-midi. Du coup, forcément, il y a une vidéo par semaine parce que la seule vidéo me prend énormément de temps. Du coup, c'est assez embêtant parce que j'aimerais bien faire d'autres vidéos à côté, mais vraiment, j'ai pas le temps, j'ai pas le courage non plus, il faut le dire, mais parce que ça demande du temps, vraiment. Et il faut être vachement concentré, et si vous voulez, il y a des hobbies... dans la vie, par exemple, bah, je jouais juste à Minecraft, c'est un hobby par exemple, mais faire des vidéos, c'est un hobby parce que j'adore faire ça, mais ça demande du temps, ça demande d'être concentré, ça demande d'être prêt parce que pour parler et tout, voilà. Là par exemple, je suis détendu parce que maintenant je suis habitué de parler avec vous et tout, mais je veux dire, faut que je sois concentré, faut que je parle, c'est assez épuisant quand même. Donc si vous voulez, il faut être d'humeur si vous voulez, parce que si vous arrivez, vous êtes en mode oh c'est une catastrophe et que vous faites une vidéo, ça se ressent dans la vidéo que vous êtes pas bien. Donc faut, en plus faut être dans les bonnes conditions. Donc après les cours, voilà, c'est super. Et voilà, mais au moins du coup je fais vraiment les vidéos quand je suis prêt, quand j'ai envie de les faire, surtout. Parce que si j'ai pas envie de faire une vidéo. Là par exemple l'épisode de Redwood, je sais qu'il pourra pas sortir. Du coup, je vous dis, il n'y aura pas d'épisode, parce que sinon je vais me forcer, ça va se ressentir dans la vidéo. La vidéo sera bâclée, et ça se ressentira de toute manière que j'ai pas aimé la tournée. Et du coup, voilà, je préfère ne rien faire. Enfin, de la faire mieux à un prochain épisode que, voilà.
Mais cependant, j'ai envie quand même qu'il y ait plus de vidéos sur la chaîne. Et donc, je vais vous poser cette question. Quelle série, alors une série simple à faire, c'est-à-dire qui ne demande pas beaucoup de montage, aimeriez-vous voir sur la chaîne? Donc une série qui ne demande pas beaucoup de montage, mais qui soit tout de même de qualité. Donc c'est d'ailleurs, ça pourrait être juste un rush ou un... Enfin, genre j'allume le... Comment... le Fraps par exemple, je fais un truc, je fais un tout petit montage, et voilà, taillot. Mais la question c'est, quelle série? Parce que j'ai vraiment, mais vraiment aucune idée. Donc si vous avez une idée de petite série qui pourrait être rapide à faire comme ça, franchement proposez-moi, n'hésitez pas. Ça... Série modée plus PVP. Ouais, le problème c'est que le... Alors le modé, oui. Le modé, oui, je pense. Mais encore une fois, je pense que ça demande de la préparation. Donc ça me convient pas. Et le PVP, je suis très nul. Et ça me... Je sais pas... Enfin... Je suis pas fan, en fait, du PVP, franchement. Du coup, non. C'est justement... Ça passe pas. C'est un peu dommage, parce que... Franchement, ça serait le truc idéal. Des déco-défis. Ouais, mais si je fais un déco-défi, j'aurais envie de faire du montage. C'est horrible. C'est une boucle infernale. Je suis une boucle infernale à moi tout seul. Parce que le problème, un déco-défi, j'aurais tout de suite envie d'allumer le replay mode. Ouais, du coup, c'est pas possible. Ou à moins que Palladium et Fuse. Ouais, mais j'aime pas trop le PVP, c'est ça le truc. Bon, après, je pourrais essayer Palladium, mais... Mais, enfin, non, parce que j'aime... Enfin, j'aime pas trop, ouais, le fait d'être en PVP ou quelque chose comme ça. Oui, il faudrait que je varie. Il faut que je varie absolument, mais le truc c'est que je vois pas trop quoi faire d'autre. Et je suis bloqué à ce niveau-là aussi, c'est que j'adore la construction vraiment. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien faire d'autres choses, effectivement. Mais quoi ? La redstone, je commence à en faire un peu plus. Et à une époque, j'en faisais pas du tout. Hein, donc, oui, j'en fais beaucoup plus qu'avant. Mais ça, c'est clair. Hein. Mais ouais, il faudrait que je trouve autre chose à faire effectivement que de la construction. Mais le PVP m'intéresse pas plus que ça. Enfin, ça dépend comment. Si c'est du PVP, genre un petit concours avec les autres Redwoodiens, si là ça m'intéresse. Mais du PVP, genre sur Hypixel et tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Ouais, mais voilà, enfin, j'aime pas le faction modé en fait. Le PVP en soi ça peut aller, mais le faction modé c'est pas ce que je préfère. Je sais, mais découvrir d'autres concepts permet de se dans une doigt. Ouais, je sais, mais il faudrait trouver quoi en fait. Mais après, peut-être qu'avec la nouvelle snapshot, il y a des trucs qui vont m'intéresser. Qui sait. Mais effectivement, je vais tourner. Ou peut-être sur d'autres jeux, mais encore une fois, je ne sais pas vraiment quel jeu faire. Quel jeu pourrait intéresser des gens. Sachant qu'après, Minecraft et le truc. Trop de Palladium, tu le veux Palladium, oui, bien sûr. Oui, parce que maintenant, il y a pas mal de gens qui font du Palladium. Célestia, c'est quoi ça? Non, mais je verrai. Je ferai peut-être du modé à l'avenir, tout simplement. J'essaierai de voir si je peux faire une présentation plus simple, peut-être, que Redwood. Parce que Redwood, enfin, je pense que vous l'avez vu, elle est... rien que l'épisode des... Je sais pas si vous avez vu l'épisode de Mario Kart. Mais ça m'a pris toute une journée. Cet épisode m'a pris une journée entière. Alors, au niveau du montage, je parle. Donc au niveau d'avoir l'idée, d'assembler tous les trucs, de faire des recherches sur Mario Kart pour voir comment ça se présente. Du coup, ouais, rien que ça m'a pris une journée. Meuf que c'est fait de ma fête. Ouais, mais faut pas être invité ou un truc comme ça. Non, mais plutôt, j'ai envie de faire ça avec des gens, avec des amis et tout. Donc, si tu veux, je connais pas Stephen. Enfin, je le connais comme ça. J'aime pas vraiment. Enfin, sans vouloir le vexer, mais j'aime pas vraiment le personnage. J'aimais une époque et je me suis désabonné il y a pas très longtemps parce que j'aimais moins. J'ai adoré vous dire, bah merci parce que ça m'a pris vraiment du temps, mais ça, sans déconner, ça m'a pris une journée. Mais j'étais vraiment content. Je crois que c'est l'épisode de Redwood sur lequel je me suis plus éclaté. Alors au niveau du tournage, parce que avec Keeper, bah, on a fait la course de chevaux en vrai.
Vous pouvez aller la voir sur la chaîne de Keeper, tout simplement. Il l'a enregistré. Mais que ce soit au niveau du tournage, mais aussi au niveau du montage, je me suis éclaté, un truc de ouf. Franchement, je vais essayer de refaire d'autres montages comme ça, avec cette même idée. Et attention, vous êtes prêts? Bam! On a fini l'étage. Pendant qu'on discutait, pendant que je discutais, que vous aviez oublié qu'on était en train de faire ça, bim, j'ai fini. Aïe, je suis tombé. Voilà, du coup c'est good. Attendez, je gratte le nez parce que ça me gratte vraiment. Désolé, c'est un peu dégueulasse, mais... Du coup c'est cool. Ouais. Oupi. Du coup on va juste tracer le sol pour après. Donc 1, 2, 3, donc ça sera là le sol. On va juste creuser dedans. Et ensuite on va aller faire autre chose. Tac. J'ai vraiment oublié en plus de quoi. Bah oui. Mais on discutait tellement bien. 1, 2, 3. Ça va faire bientôt 2 heures qu'on discute. On va pas arrêter le live tout de suite après parce que j'ai envie de faire d'autres choses avec vous. Tac. On va juste finir ça. Et on va faire des choses plus intéressantes que de creuser. Franchement, qu'est-ce que vous foutez sur ce live? On fait que dalle à part creuser des blocs. Y'a rien d'intéressant. C'est pareil, c'est un truc qui, je pense qui est assez bizarre, c'est mes parents. Ils savent que j'ai une chaîne YouTube et tout, et que j'ai 1400 abonnés, quelque chose comme ça. Et par contre, eux, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les gens aiment regarder les vidéos comme moi, quoi. Aiment regarder des gens qui construisent, qui font leur truc. C'est vrai que je sais pas pourquoi. Parce que moi-même, je regarde des vidéos comme ça, mais je sais pas vraiment pourquoi j'aime ça. Alors, si vous avez une idée, allez-y, dites. Pourquoi vous aimez regarder mes vidéos? Ça me permet de savoir. Déjà, j'ai appris des trucs sur ce live. C'est que vous êtes d'accord avec moi sur l'idée de... je fais trop de construction. Parce que moi-même, je me dis ça. Du coup, voilà, je vais apprendre des choses sur moi. Parce que là, ça me permet d'avoir directement le contact avec vous. Donc, moi aussi, ils ne comprennent pas. Alors... Qu'est-ce que vous aimez chez moi, chez mes vidéos? Je pense que ça peut être intéressant. Tac. C'est que ça se distrait et c'est que ça te distrait et te divertit. C'est vrai. C'est vrai que moi parfois j'aime bien regarder des vidéos. Mais j'ai remarqué que je regardais quand même de moins en moins de Minecraft. Je joue toujours autant au jeu, voire plus. Mais je regarde de moins en moins de vidéos en fait. Parce que je trouve que les gens qui faisaient de la qualité à une époque ont un peu arrêté. Enfin, qui faisaient de bons trucs à une époque ont arrêté. Ça nous permet de s'évader de notre vie et de se divertir. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis du même avis. C'est bien les gars, on est du même avis, c'est bon point. Tac. Et on a presque fini ça, ça va être cool. Parce que c'est bon, c'était rigolo d'imaginer le truc, mais de creuser, c'est un peu chiant quand même. Mais bon, faut le faire. C'est un peu dans les trucs chiants par contre de la survie, c'est vrai, parfois je me... C'est un peu chiant de devoir tout faire comme ça. D'ailleurs, un truc qui me manque aussi sur Redwood, c'est des ressources. Donc, je vais essayer de faire plus de live déjà. Et on ira peut-être faire des lives minage et tout. Donc, voilà. Ça sera plutôt cool. Parce que vraiment, je commence à manquer de plein de choses. Et ça va vite être problématique pour les futurs projets. Keeper a dit que j'étais fou. Ah là, ça va mal aller. En vrai, il a dit ça. C'est dans quelle vidéo? Juste pour le blâmer. Non, je vais pas lui faire de mal, vous inquiétez pas. Juste aller lui planter un drapeau. Un drapeau de français sur sa maison. Mais ouais, il a dit ça. Dans quelle vidéo? J'ai jeté ma pioche.
Tac. J'étais même pas au courant. Il me dit des trucs. Il dit des trucs dans le dos. Vraiment. Sale gosse. Va falloir vraiment l'éduquer. Hein, parce que... Je vous dis, moi, ça commence vite à m'énerver. Hein. Il fait des. Dans ta FAQ. Ah, peut-être. C'est dans une vidéo de moi en plus. Plus finement. Ouais. Il dit des choses finement, lui. On troll tellement. Mais bon, c'est de bonne guerre. Mais oui, il est mal éduqué ce gosse. Regardez, il m'a fait un mois géant comme ça. Sans me prévenir. Enfin, si, parce que je savais qu'il allait me faire une prank. Je l'avais poussé dans le vide. Je l'avais tué sans faire exprès. Il était obligé de me tuer. Enfin, pas de me tuer, mais de faire autre chose. Enfin, je suis mort dans sa base. Enfin, pas de sa faute, mais je suis mort quand même dans sa base. Parce que j'ai essayé de voir si on pouvait survivre à la hauteur de chute. Bon, voilà, on a fini. Wouhou! Enfin, c'est pas fini du tout, mais. On essaiera de finir ça en tout cas pour. Je referai peut-être un live mercredi prochain, pourquoi pas. Oh, attends, je vais m'étirer un petit peu. Oh, il y a du soleil qui arrive. C'est bien. Du coup. Tac, c'est good. Du coup, c'est vachement grand. Hein. Mais il faut ça, faut ça. Parce que franchement, après, je vais dire que c'est trop petit. Et ce qui est bien dans ce genre de. Dans ce genre de. Comment. De salle des coffres, c'est que. Si j'ai plus assez de place, je pourrais rajouter un étage en dessous encore. Enfin, c'est reproductable à l'infini. Même si ça se dit pas reproductable. J'ai ok. Tac. Good. Good, good, good. Du coup, on va faire autre chose. Donc, je vous propose soit d'aller faire une prank un peu débile à tout le monde. Alors, j'ai dit drapeau français, mais je pense que ce sera un truc un peu tout con. Soit on fait. Soit on va buter des wizards. Soit on passe sur du créatif, soit on passe sur du mini-jeu. Donc c'est à vous de voir. Hein. Moi, les tous m'intéressent à peu près. Quoique les mini-jeux, je sais pas, parce que juste en. Enfin. Parce que là, je suis un peu tout seul en fait. Je suis seul. Tout seul. Et mes cheveux font de la merde. Voilà. Je me suis déconfit. Tac, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais reprendre des torches. Prank débile à tout le monde avec au moins un drapeau belge. Oh. Qu'est-ce que t'as avec mon drapeau belge? Qu'est-ce que t'as, mais. T'es belge. C'est pour ça que tu fais ça. Mais bon. Ouais, je pense que le prank débile va plus vous intéresser. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme prank débile? Sachant qu'il faut pas que je spoil de trop. Keeper a pas dû avancer grand chose. Enfin, on va faire ça dans son manoir là. Webster a montré en vidéo. Salut, Fruit Selfie. Alors, on est sur un live français là. D'accord, du coup, on va faire. On va faire quoi? Le truc, c'est que je sais pas trop quel prank faire. Donc, si vous avez une idée de prank à faire, allez-y, dites-moi. Si vous voulez que je fasse des pranks. Magnifique quand même ça. Tiens, pourquoi on n'irait pas changer ça? Il faudrait juste de l'arc de net peut-être. D'ailleurs, je vais quitter ça pour enregistrer le replay. Je crois que ce soit trop long après, je pense que ça fait une heure que le replay est activé. Mais je changerai bien, je passerai bien sur autre chose que du Redwood, si ça vous dérange pas. Pour une raison très simple qui est que. Pour une raison très simple qu'au bout d'un moment, bah, c'est pareil, le survie m'énerve. Et j'ai envie de vous montrer pourquoi pas ce qu'on peut faire en créatif, du coup, on va passer en créatif. Donc, ceux qui veulent pas rester sur. Enfin, c'est ceux qui étaient juste là pour du Redwood, vous pouvez partir. Je vais juste couper le live 5 secondes pour permettre. Je vais mettre mon ressource pack. Pour permettre d'avoir deux parties différentes, une partie Redwood et une autre partie sur serveur qui sera sûrement pas en diffusion. Donc, bon, au revoir les gens sur YouTube s'il y a des gens qui ont regardé l'entièreté du live.
vous êtes des gros BG. Et du coup, parce que regarder le live en vrai, enfin, en live c'est bien parce qu'il y a de l'interaction, mais en vrai, sur YouTube c'est peut-être moins, un peu plus chiant. Autre chose que Redwood. Alors je vous montrerai ça. Alors après on va peut-être s'arrêter, hein. Ça va peut-être pas être beaucoup. Donc on va faire une petite. On va faire une petite pause. Effectivement, moi aussi j'ai un peu soif. Du coup, on. Petite pause de quelques secondes. Et je vais couper le live et je vais le relancer directement. Du coup, à tout de suite les gens!